Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre aventure sur Dragon Quest 4. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions fini le premier chapitre donc avec Mac Ryan. On a donc combattu un sbire de Psaro, on a retrouvé les petits enfants qui avaient été kidnappés par eux. Et ensuite, eh bien, on a fini notre mission hein, et on est rentré au château. Le roi nous a donc bien récompensé, il nous a donné la masse d'XP. Je crois qu'on a monté 10 niveaux, un truc dans le genre. Je crois qu'on est niveau 15 ou 16, je sais plus trop. Donc voilà, il nous a bien récompensé et en guise de récompense ultime, quoi, Mac Ryan a demandé s'il pouvait partir en voyage pour sauver les enfants, puisque bon, les enfants ont été sauvés dans une petite ville, mais pas dans tout le monde. Hein, donc du coup, Mac Ryan veut sauver tous les enfants, y compris l'enfant qui serait bien le héros de la légende. Du coup, il nous a accordé cette petite quête. Et Mac Ryan est parti et le chapitre s'est terminé et maintenant on est au contrôle d'Alina, donc une Sarine qui était, c'est un garçon manqué quoi, qui veut sortir, qui veut voyager mais son père ne veut pas, son père le tsar ne veut pas, et du coup on s'est enfui et on est accompagné de Kirill et Boria. Donc Kirill c'est un soigneur, hein. On va regarder un petit peu ses stats, j'ai pas trop regardé la dernière fois, mais voilà. On a la tsarine Alina, qui est une combattante, hein, elle a une bonne stat d'attaque et de défense. Et on a donc le prêtre, Kirill, qui lui, il va nous soigner, hein, tout simplement. Hein, c'est lui qui va nous faire des soins, il a déjà le sort premier secours, je sais pas si on peut le voir. Oui, voilà, on peut le voir ici, là, le sort de combat premier secours. Et ensuite, on a Boria qui est un magicien, et donc là, c'est cool, il a déjà glace et altération. Alors oui, la dernière fois on s'était quitté, ils étaient tous les deux niveau 1, tous les 3, et on m'a conseillé de les monter un petit peu, donc je les ai un petit peu entraînés jusqu'au niveau 5, et j'avais pas trop le temps, donc je me suis arrêté au niveau 5, j'espère que ça suffira, je pense que oui, pour l'épisode, ça devrait pas être trop compliqué. Et du coup, on est arrivé ici dans cette ville, je sais même plus c'est quoi le nom de la ville. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville, mais bon, on va aller visiter. On va d'abord visiter le bas et ensuite on retournera dans l'église. Alors oui, ça ramait pas quand je ne tournais pas. Mais maintenant que je filme, c'est vrai que ça rame, c'est chiant. Tout allait bien. Hein, en fait, c'est vraiment le logiciel de capture qui fait que ça soit très gourmand. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à acheter ici. Hein, donc, armure de cuir, ça va, c'est pas trop cher. L'armure de cuir, j'ai tendance à... Ouais, on va peut-être acheter une armure de cuir pour Boria, parce que Boria, lui, il a port en défense, il a cuite, quoi. Donc, on va peut-être lui prendre une armure de cuir. De toute façon, j'ai pas mal de thunes, donc... voilà. Qui va porter? Boria, il va porter. Voilà. Nous, est-ce qu'on en a véritablement besoin? Non. Alina, elle a 25. Pour gagner 2 points de défense, c'est pas nécessairement utile. Kirill, ça pourrait être bien pour lui, mais après on va regarder les boucliers. Alors Alina ne peut pas mettre de bouclier apparemment. Kirill, ouais, ça pourrait lui gagner 4. On va peut-être en donner un à Kirill évidemment. Et un casque. Le casque de cuir, nous on perdrait avec Alina, donc elle a un meilleur truc. Ouais, ça fait pas gagner beaucoup. Voilà, attendez, on va toujours prendre un petit bouclier pour les deux petits copains là. Alors, on va en prendre un deuxième. Voilà. On va regarder un petit peu comment ils sont équipés, les petits copains. Alors, nana, équipé. Robe de soie, chapeau à plumes. Un massue de chêne, tenue de voyageur et bouclier de cuir. Et lui, il a l'armure de cuir, bâton de cyprès et bouclier de cuir. Bon, bah écoutez, ça me paraît déjà bien. C'est vrai qu'on n'est pas dans les armes ici. Ça, c'est les armures. Attendez, il n'y a que les armures ou il y a aussi des armes? Ah oui, c'est magasin d'armures. On va voir les armes après. Bon, j'ai quand même claqué pas mal de sous. Donc, on va parler à toi. Ah oui, c'est vrai, on est à Zelenograd.
Je ne parle pas russe, hein, donc voilà, hein, c'est ça va être un petit peu compliqué. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que les R et tout sont inversés. Mais non, je voulais pas sortir, voyons, je voulais monter. Alors, monsieur, vous voulez voyager pour améliorer vos capacités? Je suis surpris d'entendre ça de la part d'une jeune fille. Pour gagner en force, commencez par vous battre aux alentours de la ville, c'est une bonne idée. Bah ouais, j'ai déjà commencé. Et y a rien à récupérer ici? Oh là là. Là non plus? Porte fermée à clé. Alors, une porte fermée à clé pour rien du tout. Il y aura peut-être un PNJ plus tard, hein, qui sait. Donc on va sortir, on va visiter les autres endroits. Allez, pas dans de porte cachée, non? Non, non, non. Bon. Alors les armes, c'est à gauche, hein. On ira après. Et ici, il n'y a rien. Mais il n'y a que dalle. Là-bas, il y a une baraque. Une baraque. On peut pas y aller? Ah, faut peut-être faire le tour. Tu dis un truc? Il paraît que la tsarine Alina de Zamoxva est partie en expédition. Mais c'est une information confidentielle. Oui. Coucou Pufiette, je serai aussi courageuse que la tsarine Alina. Alors peut-être que lui, là, là-haut, lui, je sens bien le PNJ qui donne des informations importantes. On va aller ici. D'accord, et ça sert à quoi d'aller ici? D'accord, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors par contre, les armes, ça me botte. Non, 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 attendez, attendez. On va d'abord fouiller les tonneaux parce qu'il peut y avoir des thunes. Une graine d'agilité. Ok, donc ça, on va l'utiliser après. Masse de chaîne, épée de cuivre. Épée de cuivre pour Kirill, ouais. Et la dague divine. La dague divine, oh! 200. Je me dis, est-ce que ça va être comme pour Macrayan et qu'on va trouver. Bon, allez, tant pis, je la prends, on sait jamais, hein. De toute façon, on m'a dit, ça ne dérange pas que j'achète des armes. Du moins que je revends pas tout et que je fasse pas n'importe quoi. Au moins, voilà, on est bien équipé. Objet. Objet, la graine d'agilité, je vais l'utiliser. Allez, sur Alina. J'espère que vous me voyez bien. Alors, désolé, c'est un peu d'ombre. Bon, le temps est un petit peu dégueulasse. Donc, voilà, je fais au mieux. Donc, on peut monter. Mais il n'y a que dalle. Ok. Bon, bah, j'ai compris. Je dois aller au milieu, faire tout un truc particulier pour monter. Hop là, excusez-moi. Ou alors monter tout simplement ici. J'avais pas vu. Coucou. J'adore faire des sermons, répandre la bonne parole, ça donne une sensation de puissance. Alors elle parle normalement. Ah non, lui non, il a les R à l'envers. Les mots de cette merveilleuse religieuse m'ont rendu ma sérénité. Alors attendez, juste 2 secondes, je vais me moucher parce que c'est pas possible sinon. Ah, ça fait du bien. Et je vais juste boire mon petit thé. Putain, il est bon. Je vous invite à boire du thé vanille caramel, c'est très très bon. Voilà, je fais de la pub pour Lipton. Alors, je suis le célèbre poète Joseph Staline. Staline? Bon, ok. De lourds. Staline, d'accord. De lourds nuages glissent joyeusement sur le ciel du firmament. Ah, le firmament, moi je connais, hein, j'ai fait un let's play sur le firmament. D'accord. D'accord, ok. Alors ça sert à rien. Alors du coup, je vais redescendre. Moi, il faut que. Ah ouais, mais attendez. Hey, c'est fermé. Et c'est fermé. Donc je peux pas aller là-bas, je peux pas aller de l'autre côté. Comment on fait? D'ici, partez vers le nord, puis vers l'est en direction des montagnes. Vous arriverez à un petit hameau. Ah, faut peut-être aller au petit hameau du coup. Alors attendez. Tu me dis, partez vers le nord, puis vers l'est. D'accord. Donc en haut à droite. Ça sert à rien d'aller. Je pense que ça sert à rien de rester ici plus longtemps. Il n'y a rien d'autre à faire. On peut pas accéder au truc pour l'instant. Donc ce sera pour la suite. Ouais.
Bon, bah écoutez, au moins on s'est équipé. Et on va y aller à bientôt 11 minutes. Donc nous on était ici. Alors regardez sur la carte, je suis avec ma souris. Donc là c'est où est-ce qu'on est avec la plume. Et ici la zone à droite c'était la zone où se trouve Macrayan. Donc je pense qu'à un moment donné on va les rejoindre, je pense. Lui il va peut-être partir par là ou par là, je sais pas où. Et il y a quand même pas mal de choses à visiter. N'empêche. Donc nous on doit monter. Oui alors les monstres. Voilà, hein, bon, j'utilise pas la magie. Putain, on l'a one shot. Bon. J'utilise pas la magie. J'essaie de pas trop dépenser mes PM. Mais Boria, c'est bien qu'il fasse les sorts de glace. Ça, c'est vraiment pas mal. Macrayen, c'est vrai qu'il pouvait pas lancer de sorts, donc ça me manquait un petit peu de lancer des sorts. Bon, allez, voilà. Il y avait un panneau. On va le lire. Allez, se trouve le village de Taborov. D'accord. Messieurs, messieurs, vous allez vous prendre voilà des coups, et toi tu vas attaquer. On fait mal, hein, n'empêche. Bon, j'accélère parce que c'est pas très intéressant. Hop, voilà. Oh! Bon, on va les combattre parce que ça fait quand même des thunes. Bon, là, par contre, alors, c'est vrai qu'on est one shot avec deux copains sur trois. Voilà. C'est sûr que Boria, il fait que un dégât en dégâts physiques, hein. Lui, c'est plus de la magie. Évidemment. Que 28 pièces d'or, oh, j'aurais bien voulu avoir plus. Et on voit le petit hameau, on va y aller. On va se débarrasser des cocos. Tac. Alina a fait mal. Alina a fait de bons dégâts. En même temps, la dague divine, c'est sûr que tu fais des bons dégâts avec ça. Allez. Salut. Il y a une auberge. On va aller voir elle qui regarde des. J'aurais envie de dire des cactus, mais je pense que ce sont des des pierres tombales. Alors, vous êtes dans la ville maudite de Taborov. Ah, j'aimerais ne jamais être né ici. Si c'était le cas, ma fille serait encore en vie. Ah oui. Prions pour nos filles mortes dans le village. Ah, d'accord. Des sépultures de petites filles, carrément. Vous êtes là pour combattre les méchants monstres, c'est ça? C'est vraiment super. Les méchants monstres. 9 pièces d'or. Ouais. C'est cher, hein. L'autre, c'était que 6 pièces d'or. Ouais. Moi, je voulais un truc à ouvrir ou quoi. C'est vraiment terrible que deux personnes qui doivent s'aimer se séparent. Non. Oh, non. Non. Qui s'aiment doivent se séparer. Oui, bon, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Laisse-moi sortir. Alors. On va aller bah ici du coup. Toi, je prends tes. Voilà, merci. Je te pille et ensuite je te parle. Un casque de cuir. Hein. Bah heureusement j'en ai pas acheté. Qui peut mettre ça? Divers. Pourquoi il y a un trou ici? Ah oui, il n'y a pas de bouclier, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah, objet. Voilà, Alina. Équipé. Mais non! Oh là là, je me suis planté. Voilà, équipé. Voilà. Maintenant, on va faire. Transférer. Sur toi, voilà. Et on va l'équiper. Voilà. Pour le bien du village, je dois offrir ma fille Anastasia en sacrifice. Ok. Ah, pensez-vous qu'il existe un guerrier assez puissant pour vaincre ce monstre? Oui. Vous pensez être en être capable? Oui. Mais vous n'avez pas l'air très forte. Niet, je ne dois pas refuser le présent
que l'on m'offre. Si vous êtes sûr que. Si vous êtes sûr de vous, allez voir le prêtre, il vous dira quoi faire. Ok, je vais aller le voir après. Hein. Oh. Hélas, pauvre Anastasia. Ah, mais non, mais sacrifiez pas Anastasia, ça tombe, elle est très jolie en plus. Du coup, je pouvais pas aller de l'autre côté. Attendez, alors. Non. Oui, peut-être je vous donne le tournis, je sais. On va lire. Ok, il n'y a rien d'intéressant. À la découverte des merveilles de la curiosité du monde. Et des curiosités du monde. Il existe toutes sortes de choses étonnantes dispersées à travers le monde et que chacun devrait voir, pour peu qu'ils en aient l'occasion. Une statue sacrée géante, un arbre montant jusqu'au ciel, des gens vivant à bord de bateaux, et d'innombrables villes qui n'apparaissent jamais sur les cartes. Si cela vous semble trop incroyable pour être vrai, allez voir tout ça de vos propres yeux. On ne croit que ce que l'on voit. Faites donc vos valises à l'instant, car un monde fascinant vous attend. Ouais, bon, on visitera tout ça. Après, j'espère que... Bah, dites-moi dans les commentaires une fois... Enfin, non, en fait, non, parce que vous risquerez peut-être de me spoiler. Mais voilà, j'espère en tout cas que... Une fois qu'on aurait fini l'histoire principale... Normalement, je pense que oui, on pourra visiter le reste de la carte. Parce que je pense qu'on va pas tout débloquer toute la carte comme ça pour l'histoire principale. Il y a toujours des zones une fois la quête principale finie. Ça fait bien longtemps qu'un monstre vit dans la forêt au nord de notre village. Et ce monstre exige que... Des jeunes filles lui souhaitent offrir ton sacrifice. Sinon il attaque, ok. La dernière jeune fille du village. Ah oui. Non mais on va la sauver. Attendez, il y a un puits, on va quand même aller dedans. Anastasia, la fille du chef du village, doit être offerte en sacrifice. Mon fils devait bientôt l'épouser. Alors je n'ai vraiment pas le cœur à faire du commerce. Ok, bon on va régler ça. Je vais juste récupérer une mini médaille. Oui. Ils n'apparaissent pas dans votre inventaire normal. Pour savoir combien de médailles récupérer, vous allez... Une caractéristique, d'accord. C'est bien, je crois que c'est la première mini-médaille, hein, si je me trompe pas, ou peut-être la deuxième, je sais plus. Yo. Ah, c'est elle, Anastasia. Il n'est pas question que je quitte mon village et que j'abandonne papa et maman. Ne sois pas triste pour moi. C'est vrai que les filles sacrifiées ne reviennent jamais. Mais nous ne sommes absolument pas certains qu'elles meurent. Une graine d'agilité encore? Bon, on va l'utiliser. Écoutez. Non! Non! Ah! Là. Voilà. Sur Alina, toujours. Niette, c'est une tragédie. Tu ne peux pas servir de repas à un monstre. On doit s'enfuir. Mais non! Moi, je vais le taper. Un chien et le marchand qui, bah voilà, il est pas content. Tu dis un truc, le petit chien? Gru. D'accord, gru. Ben, gru. Hein. Bon. Du coup, je sais pas ce que c'est ici. Une grande église. Hein. Yo, mec. Vous envisagez de terrasser le monstre? Il y a quand même un problème. Il ne se montre qu'au moment du sacrifice. Je vois, vous voulez prendre la place d'Anastasia lors du sacrifice? Oui. Je n'en reviens pas. Je rends grâce à la déesse pour de si bonnes nouvelles. Alors, tu peux faire venir la chaise à porteur sacrificiel sans plus tarder. Vous êtes prête? Oui. Ah, parfait. Passons-y quelques instants. Je suis niveau 5, j'espère que ça va aller. J'espère vraiment que ça va aller. Bon, je pense que oui. À présent, veuillez entrer dans la boîte. On m'a dit de m'entraîner, mais bon. Je pense que 5 niveaux, c'est bon, non? J'ai pris la déesse afin qu'elle vous porte dans votre mission. Moi, de toute façon, voilà, si on meurt, on meurt. Hein, c'est pas grave. Ce n'est pas le moment de jouer avec les mots, mon père. Vous avez raison, pardonnez-moi. Allez, amène-nous face au monstre. Ta tombe, il est pas terrifiant du tout.
C'est juste eux qui sont nuls en fait. Ok. C'est Pas très rassurant tout ça. Un chat infernal apparaît. Et Maître Kung. Bon. Alors je suppose. Faut se débarrasser d'eux en premier. On va se débarrasser d'eux. Magie. Tu vas faire glace. Fais glace sur. Sur lui, tiens. Ouais. J'ai peur. Ça va. On va se soigner après. C'est bon, déjà un chien qui est mort. Magie, premier secours sur Alina. Et magie, glace. Pourquoi t'es pas affecté? Tout à l'heure t'as. Ah là là. Alina, attaque. Tu vas te soigner tout de suite. Et toi, tu vas faire glace sur lui. Voilà. Mais pourquoi t'es pas affecté? Bon bah écoutez, on va l'attaquer. Attaque, magie, altération, on va encore faire l'altération, on va. Oh, il est sérieux lui! En plus, on voit même pas combien de PV il a récupéré. Mais t'es sûr que ça marche pas, glace? C'est bizarre. Tout à l'heure, au début, ça avait fonctionné, il me semblait. Ok. Bon, bah, en fait, on l'a eu. Oui, on passe de niveau. De niveau? Niveau 6. Kirill passe niveau 6. Il apprend la protection. Ah, ça c'est vraiment cool. Et Boria qui passe niveau 6 aussi. Il apprend. Ah, si, il apprend la torpeur. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Maître Kung laisse tomber un coffre au trésor. Alina l'ouvre. Il contient une graine de vie. Ah, c'est bien ça. Bon, bah écoutez, on a battu Maître Kung. La nouvelle de la défaite du monstre se répandit bientôt à travers le village. Puis le jour se leva. J'espère que j'ai pas fini le chapitre parce que c'est. Ça serait vraiment très court. Ah, je pense pas quoi. Parce qu'on a. Avec Macrayan, on a fait un boss en fait. Là, on a fait un boss. Donc j'ai un petit peu peur que. Bon, on est. En tout cas, on est soigné. Donc c'est toi le. Oui. J'ai du mal à croire que vous avez réussi à vaincre un tel monstre. Je suis vraiment très surpris. Vous avez sauvé ma fille, Niette, mon village tout entier. Le magasin d'objets a ouvert. Notre village est pauvre, mais je crois néanmoins que vous trouverez des choses utiles dans le magasin d'objets. Allez jeter un oeil. Encore une fois, un grand merci à vous. Bonne chose, pas si beau. Je sais pas ce que ça veut dire. Yo, tu vends quoi, mec? Dis-moi. Alors, des herbes, c'est cool. Un arc. Oh, elle peut prendre un arc. Oh, 350. J'ai envie d'un arc. Je vais vendre quand même juste des trucs vraiment qui sont qui servent à rien en fait.
En soi, vêtements simples, ça sert à rien, on est d'accord. Vêtements simples, voilà, c'est un vêtement simple, quoi. C'est nul. Bah après, non, ça sert à rien. Je vais jamais vendre autant, en fait. J'aurai jamais assez. Ouais, non, mais la graine de vie, c'est pas la peine. La graine de vie, je la garde. Non, bah écoutez, c'est pas. On va se contenter de notre dague divine. Et l'arc, on l'achètera plus tard. Pire, je farmerai. Enfin, je sais pas si je vais finir avec elle ou pas, en fait. Enfin, finir le chapitre, je veux dire. On va aller voir le prêtre. Peut-être qu'il va nous dire où est-ce qu'il faut aller. J'espère que j'ai pas fini le chapitre tout de suite. Ça m'étonnerait. Je sais que la déesse elle vous protégera. Voilà, alors on va faire une petite sauvegarde. Bon, on va sauvegarder dans le deuxième parce que je sauvegarde toujours sur deux sauvegardes hein, pendant que quand je fais une vidéo. Si jamais j'ai un problème avec la vidéo que je dois recommencer. Oui, j'ai l'intention de poursuivre. Et donc là, je peux continuer. Ah, ça m'emmène où? Ah, regardez, il y a un mec là-bas. Yo! Quiconque voyage vers le nord jusqu'à l'extrémité du pays, puis vers l'est, tombe sur la ville de Vrenor. Faites attention pendant votre voyage. D'accord, Vrenor. Donc je suppose que je dois aller vers Vrenor. Attendez, je voulais juste voir Anastasia vite fait. On va diriger vers Vrenor, peut-être qu'on se laissera ici. Un petit peu plus court. Pas plus mal hein, pour changer des fois. Je vais juste voir Anastasia rapidement. Peut-être qu'elle donne quelque chose ou quoi, on ne sait pas. On l'a quand même sauvée. Bah, elle est où? Ah, elle est peut-être là-bas. Oui. Nous allons nous marier. Oh, bah, d'accord. Jamais de la vie je n'oublierai votre merveilleuse action. Ouais, mais d'accord, mais. Mes sous, j'ai sauvé quoi. Je l'ai sauvé, tu pouvais me donner des sous, moi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, bah écoutez. Plus grand chose à faire ici, apparemment. Donc, on va bouger vers Vrenor. Vrenor. Enfin, je crois que c'était ça, attendez. L'air quand même de reparler au gars. VRE, ouais, Vrenor. Bon, ben. Go Vrenor. Attendez, il avait dit quoi? Vers le nord, l'extrémité du pays, puis vers l'est. Ok. Donc tout en haut et à droite. Oh, des champignons. Oui, mais. Wesh, vous faites quand même des bons dégâts là. Calmez-vous, calmez. Bon, calmez-vous, j'ai dit. M'énerve. Magie. J'accélère parce que. Ils m'énervent. Et ils font putain de mal en fait. Allez. Voilà, hein. Premier secours. Boria est pas très tanky. On est d'accord. Alors tout là-haut. Ah, oh là là. Oh là là. Oh là là. D'accord. Est-ce que tu... Ah, un groupe d'ennemis, hein. On va essayer. Franchement, si j'arrive à les endormir, ce serait rigolo. Bah, 2 sur 4, c'est pas mal. Ouais, par contre, Alina, elle a un petit peu mal, hein. Donc, on va faire les foufous. Le midi gluant. Voilà, hein, tu soignes. Personne, on va la soigner quand même. Heureusement qu'on a un soigneur, hein, n'empêche. Et meurs. Voilà. On monte de niveau déjà. Niveau 7, Alina.
Ah bah voilà, ça doit être Vraynor, je pense. Vous allez mourir. Voilà. Coucou. Pourquoi tu pars, jeune fille? Elle a eu peur de nous, je pense. L'aubergiste offre le gîte à la tsarine et à ses compagnons. Peut-être que je vais moi aussi offrir un petit présent à sa grandeur. Vous aussi, vous souhaitez voir la tsarine? Mais c'est moi la tsarine. Elle se trouve dans cette auberge à l'étage. Quoi? Quoi? Vous êtes dans la ville de Vrenor, la tsarine de Zamoxva est ici en ce moment. Je me demande bien pourquoi la tsarine se trouve ici, mais c'est moi la tsarine. Oh, il y a quelqu'un qui vole mon identité. C'est pas cool. Ah, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Bon, écoute, on va aller voir vite fait. Je suis pas content. Quoique. Si on a le temps d'aller la voir vite fait. Ah, libérez-moi à l'aide, quelqu'un! Pfiou! Ils nous ont battus. Ils sont sortis de nulle part et ont kidnappé la tsarine. Malheur, la tsarine a été enlevée! J'ignore qui vous êtes, mais vous devez sauver la tsarine! Stop! Un pas de plus et la princesse est morte. Il n'empêche que j'ai du mal à croire qu'une princesse se loge dans un endroit pareil. C'est le moment de partir! D'accord, la tsarine s'est fait enlever. Bon bah écoutez, non je pense qu'on va se laisser là, hein. Pas mal de choses dans cet épisode, faudra aller par ici la prochaine fois, bon, on fera ça, on va aller voir pour sauvegarder quand même, déjà on va se soigner. 12 pièces d'or, tu m'arnaques un peu mec, hein. Et maintenant j'ai assez pour acheter l'arc, c'est complètement con, peut-être que je peux le trouver ici, hein. Peut-être que je peux le trouver ici. Magasin d'objets, est-ce qu'il y a un magasin d'armes? Oui, là-bas. Ah, mais. Ah, oui, d'accord, il y a personne. Ouais, mais d'accord, mais. Je cherche un endroit pour sauvegarder, mec. Sauvegarder. Tu comprends le mot sauvegarder? Non mais c'est pas... Oui bon d'accord, une herbe, d'accord, mais j'aurais voulu des sous en fait. Peut-être là-bas, non? Dans cette vieille maison pourrave? Ah, dans cette vieille maison pourrave, 10 pièces d'or. Autrefois, cette ville comptait parmi les trésors du puissant Brossard étincelant. Ah. Mais il provoquait tant de conflits qu'il a finalement été dissimulé dans une grotte au sud, appelée la grotte de Vrenor. Ah, je suppose que c'est en passant par ici qu'on arrive à cette grotte, c'est ça? Ouais. Et là, c'est... Ok. Donc ça, c'est le chemin pour la suite. Mais moi, je veux pas aller pour la suite, je veux trouver un endroit pour sauvegarder, voyons. Y a pas une église ici? Ou je l'ai raté peut-être, hein, mais... Eh non, y a pas d'église. Pas d'église. Ah! Ah ouais, mais. Mec, fais-moi sauvegarder, s'il te plaît. Ah, voilà, c'est bon. Bon, bah écoutez. Bon, je vais sauvegarder après, du coup. Je vais sauvegarder après, du coup. Ah oui, non, mais. Hey, il est marrant, lui. Regardez, je peux pas prendre son fric. Attendez. Attendez. On va essayer de l'avoir. Ah oui, toi, t'as. Là, quand t'as un coffre là-bas, oui. Casque de bois, armure de bronze. Armure de bronze? Ah, 1440 l'armure de bronze. Bon. Tout ça, on verra ça plus tard. Je peux pas passer de l'autre côté, hein, je suppose, pour prendre ton coffre. D'accord, non. Il m'empêche d'aller prendre son trésor. Bon, peut-être que plus tard, on pourra le prendre. Voilà, bon allez, on va s'arrêter là, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, bon on aura fait un petit boss, puis on aura avancé, on aura fait le petit hameau, et on aura été jusque Vraynor, donc c'est plutôt pas mal, hein. On a bien avancé,
On a découvert que quelqu'un usurpe notre identité, hein, se fait passer pour la tsarine alors que c'est moi la tsarine, voyons. Enfin, mon personnage, hein, pas moi. Donc on verra ce qui se trame la prochaine fois, j'espère donc qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi s'il faut que je m'entraîne encore pour la suite. Ou si voilà, je suis niveau 7 et 6-6, est-ce que ça va ou faut que je m'entraîne? Dites-le-moi dans les commentaires et puis bien nous on se retrouve pour l'épisode 5 pour découvrir qui a enlevé la fausse tsarine. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, allez bye tout le monde.